Il était dommage que notamment les hommes politiques ivoiriens et africains ne portent pas des vêtements traditionnels et utilisent des vêtements internationaux que tout le monde connaît, d'une première fois. Et d'autre part, je pense que les administrations ivoiriennes devraient, par exemple, acheter 50% des produits faits en Côte d'Ivoire afin de les offrir à leurs visiteurs internationaux, ceci créant justement la stimulation de secteurs d'activité qui, pour l'instant, souffrent d'une concurrence absolument déloyale dans la mesure où, bien évidemment, ici, on a des problèmes de contenants, on a des problèmes de matières premières que nous n'avons pas. Comment faire des produits aboutis, notamment de luxe, ça reste très compliqué. Et donc, à bon entendeur, salut, les Ivoiriens, consommez Ivoiriens. Maintenant, vous avez des tas de produits de bonne qualité, vous n'avez plus d'excuses.